Bonjour. 64 ans d'indépendance, ça se fête. Mais pas que la fête. C'est aussi l'occasion de réfléchir aux secteurs les plus importants de la nation béninoise. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bel et bien le secteur éducatif. Pour en comprendre les choix fondamentaux qui ont été faits durant les 64 ans d'indépendance. Et pour en parler sur cette émission spéciale Indépendance, nous avons avec nous le professeur Toussaint Sagbofanou. Bonjour. Bonjour Peggy et bonjour à tous les téléspectateurs et bonne fête surtout à tous. Merci à vous. Vous êtes enseignant à la retraite, consultant en matière d'éducation. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, il s'appelle Hilaire Agoyon. Il est enseignant notamment de histoire et de géographie dans les collèges, mais également doctorant à l'université d'Aboumekalavi en histoire. Bonjour, monsieur Hilaire Agoyon. Oui, bonjour, monsieur Peggy, et bonjour à tous les téléspectateurs. Ce que j'ai oublié d'ajouter, c'est que vous êtes déjà à la retraite. Oui, bien sûr. Alors, pour ouvrir cette émission, j'ai bien envie de commencer par vous. Il y a 64 ans, vous étiez où ? 64 ans, 1960, je vais dire, je n'étais pas encore né. Ah. Il restait encore 4 ans pour que je sois né. Ah d'accord, parce donc né, l'indépendance du Bénin est plus âgée que vous. Est plus âgée que moi de 4 ans. Oh là là. Je suis né en 1964, ce qui fait que ça fait 4 ans après. Donc l'indépendance venait d'arriver et l'enthousiasme gagnait les populations quand, dans ce vent, je suis né. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Mmh. Alors, je poserai la même question au professeur Sagbofanou. Il y a 64 ans, vous étiez où ? Il y a 64 ans, j'étais dans un village qu'on appelle Dogondouchi, au Niger. Waouh. Et hors du Bénin. Hors du Bénin. J'étais... Et curieusement, au Niger. Et curieusement, au Niger. Effectivement, j'étais au Niger. J'étais parti avec un oncle parce que je suis plus âgé que l'indépendance de 7 ans. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en 60... Vous avez vu l'indépendance de 6 même ans, si exactement. Vous n'étiez pas au oui, Bénin. J'étais un tout petit enfant qui voyait les gens s'enorgueillir, comme on dit souvent dans le langage populaire, s'enjailler. Et je ne comprenais pas grand-chose, mais j'étais déjà quelque part où je m'apprêtais à commencer les cours. Puisque j'ai commencé 2 ans après l'indépendance, j'ai commencé les classes en 62. D'accord. Donc j'étais au Niger et j'avoue franchement que j'étais dans un pays à l'époque qui était hyper plaisant et où la nature, la tradition était vraiment en vogue et où aussi l'indépendance a été célébrée de façon très particulière. Voilà pour dire un peu, il y a 64 ans où j'étais. Alors nous allons enclencher, après bien sûr ce rappel pour s'ouvrir l'appétit sur cette émission spéciale, on va enclencher avec le vif du sujet. Dites-nous, le secteur éducatif béninois, est-ce qu'il est vraiment en bonne santé aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, parce qu'il faut savoir d'où on est parti. Le secteur, le système éducatif béninois aujourd'hui, donne des raisons d'avoir espoir, contrairement à ce qu'on a vécu à une période donnée. Parce qu'il y a une période qui a, où la révolution a mis fin à un certain nombre de choses. Et cette période était caractérisée, évidemment, quand on parle de l'indépendance, les premières années de l'indépendance, je dirais même la décennie qui a suivi l'indépendance, De 1960 à 70, oui. C'était la décennie où il y avait la crème des gens bien éduqués, des gens qui étaient des chercheurs même en étant au primaire. Absolument, des gens qui étaient des chercheurs, des gens qui avaient un enthousiasme particulier à connaître, à apprendre, à savoir ce que c'est que le système éducatif, l'école, la lecture, les mathématiques, ce que les Blancs nous ont apporté. La curiosité a dominé. Et cela a réveillé en nous tous les instincts de chercheurs. Mais après ça, ce à quoi l'école nouvelle est venue mettre fin, c'est ce que j'appellerais un cocktail de médiocrité qui a suivi. Oh là là. Où il a commencé à avoir un laisser-aller. On va y revenir. Voilà. Restons un peu dans la première décennie, comme vous l'avez intitulé. Oui. Quels ont été les éléments qui ont présidé à l'enseignement à cette époque-là ? Il faut dire qu'à cette époque-là, bien que ce ne soit pas exactement encore ce que nous aurions voulu en tant qu'Africains,
bien que ce soit ce que les colonisateurs tenaient à nous mettre dans la tête et à mettre dans la tête de nos populations, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui permettaient de mieux connaître le monde, de connaître un peu, de s'ouvrir sur le monde, sur tout ça. Parce que c'est bien de dire, il faut qu'on fasse les choses qui concernent ma culture, ma société. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut connaître aussi un peu les autres, connaître ce qui se passe chez eux. Parce qu'on est quand même dans un monde. Absolument, qui est devenu un village planétaire. Il y a les autres et il y a nous. À cette époque, effectivement, même les manuels scolaires étaient des manuels qui reflétaient quand même ce que nous pouvons appeler l'éducation, le système éducatif, pour que l'Africain sorte de son analphabétisme, pour que l'Africain s'ouvre sur le monde et voit le monde autrement que lorsqu'il a la tête courbée chez lui, dans son petit hameau. Et là, cette période des 10 premières années nous a montré, même quand je prends le président, le tout premier président de la République, pour ne pas dire les tout premiers, c'était quand même des enseignants. Il y avait beaucoup d'enseignants qui sont devenus présidents dans leur pays. Je crois que chez nous, c'était Maga, je crois bien, et Maga était un enseignant. Hubert Maga. Voilà, Hubert Maga était un enseignant. Et cela a fait autre chose encore, c'est-à-dire ça a redonné du tonus à tous ceux qui voulaient embrasser le métier d'enseignant. On y arrivait certes par vocation, mais en regardant le président qui est le premier enseignant du pays, une façon de parler, puisqu'il est le président, donc on dit c'est le père de la nation. Donc tout à fait. Alors c'est, il y avait cette émulation. C'est une manière de valoriser la fonction de l'enseignant. Exactement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était quand même les Blancs qui étaient encore à la manœuvre ou comment la cession a été faite entre les Blancs 60... qui nous donnaient l'indépendance et les Noirs qui recevaient les Béninois. La majorité de nos enseignants, que ce soit au primaire et au secondaire, il n'y avait pas beaucoup d'évolution. On était encore au stade du primaire. Le secondaire évoluait à petit fait, c'est après qu'il a pris de l'ampleur. Mais la majorité des enseignants, du moins pour ceux que moi j'ai connus, la grande majorité c'était des Blancs. Il y avait quelques rares enseignants noirs. Et quand on les voit, pour nous, et lui, il est parmi les Blancs là. Il connaît comme les Blancs, quoi. Et il est messie, il est instituteur. Les Blancs sont ici, lui aussi, il est là. Donc et ça, on avait de l'admiration. Ça excitait un peu oui, la curiosité. Déjà, on estime déjà que le Blanc, lui, il connaît. Dans notre petit cerveau de petits élèves là, le Blanc, il connaît. Mais mon frère, là aussi, il y a un complexe d'infériorité qui nous anime. Il ne faut pas mâcher les mots. C'est réel, c'est le complexe. C'est là. Mais voir aussi mon jeune frère là, ou bien mon grand frère là, qui est aussi dans le même sérail que les enseignants blancs, ça lui donnait une tauge qu'il ne peut-être portait pas toujours, mais c'était ça dans la tête de tous les Noirs. Parce qu'à cette époque-là, un enseignant avait trop de valeur, plus de valeur que policier, douanier, tout ce que vous voulez. L'enseignant était l'homme qu'on vénérait. Puisque moi, j'ai vécu avec un oncle enseignant, mais j'ai vu comment le village venait lui apporter des vivres, venait le voir pour dire chef, et on le vénérait pratiquement. Mais c'était un enseignant du primaire, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où vous foulez tous les enseignants aux pieds. Bon, excuse-moi de le dire comme pas ça. Pas tant que ça, professeur. L'autre curiosité que je veux satisfaire, M. Hilaire Agoyon, ne vous en faites pas, je viens à vous. On nous a raconté que c'était même les enseignants qui passaient de maison en maison, et qui sollicitaient des parents qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Ils n'avaient même pas d'habits, les syllabaires qu'on nous impose aujourd'hui à coup de beaucoup d'argent, c'était donné. Mais vous même avez le matériel raison. Pour aller à l'école, c'était donné. Absolument. Est-ce que vous nous confirmez cela? Mais c'est confirmé à 100%. On faisait, c'était comme si on faisait la cour aux gens, parce que les parents n'étaient pas encore prêts pour envoyer leurs enfants dans cette école du blanc, alors qu'ils ont leur champ à cultiver, ils ont l'élevage à faire, ils ont beaucoup d'activités champêtres. L'enfant était beaucoup plus important cette matière-là. Absolument. C'était la main-d'œuvre. C'était la main-d'œuvre gratuite et à qui on apprenait aussi à prendre la relève après. Et on se dit, mais si je l'envoie maintenant chez les Blancs, qu'est-ce qu'il va aller apprendre? Est-ce que ça va nous rapporter? Il fallait forcer un peu la main. Et il fallait partir parfois avec des enfants qui étaient des modèles. Des enfants qui ont réussi. Moi, je me rappelle à Dogondouchi, le village où j'ai vécu, on nous amenait, et dès qu'on dit, en Hausa, on dit, Koudou Bawonnan,
il y a ça, mon roi. Regardez ce jeune homme-là. Il a réussi. Hein. Et on dit, hé, on regarde l'enfant. On dit, lui aussi va partir. Il va être comme lui. Voilà. Il y avait cette incrédulité des parents. On perdait des valeurs. Oui. Donc, les parents, ils étaient presque obligés. Parce qu'on leur dit, il faut le faire. Parce que demain, c'est lui qui va vous rendre la vie facile. Il va à l'école des Blancs. Il va apprendre beaucoup de choses. Il va revenir grand à Koweï. Dans la période, on ne voyait pas cette affaire d'entrepreneuriat comme on a aujourd'hui. On voyait un Koweï bien habillé au style du Blanc qui s'assoit dans un bureau, qui dirige les gens et qui, chaque fin du mois, avait de l'argent. C'était déjà formidable. Voilà donc la situation telle qu'elle se présentait. Et les manuels scolaires. Je ne me rappelle pas avoir acheté un seul livre du CI au CM2. Wow. De 1962 à 1968, où j'avais mon CEP. Qu'est-ce que vous avez été favorisé, vous ? Formidablement favorisé, ce n'est pas fini. Quand vous arrivez le matin, on vous donne des comprimés que vous devez avaler pour être en bonne santé. Wow. Des comprimés contre la méningite, contre la toux, contre la fièvre, contre les piqûres de moustiques. Vous avez tout ça là gratuitement avec des gens qui sont à côté pour vous donner cela. Et c'est-à-dire la vie était rendue tellement facile que vous aurez forcément envie d'envoyer votre enfant là-bas. Parce que quand il revient, il est différent. Vraiment. Il joue, il a des cadeaux, il a des t-shirts, on dit qu'il a bien joué. Dès qu'il revient, ah, l'école des Blancs, c'était vraiment une publicité terrible, hein, cette affaire-là. Et nous, on a vécu dans ça. Dieu merci, on s'en est sorti avec tout ce qu'on a eu comme bouquins cadeaux, des jouets. Quand vous avez un bon score à l'école, on vous rassemble dans la cour et puis on dit, lui, il a un cadeau, il a un jouet. C'est là qu'on avait découvert les avions en plastique. Nous qui n'avons jamais connu ce que c'est qu'un aéroport, on avait l'avion à la maison puisque c'était un jouet. Et c'était pour nous formidable. Voilà. On était heureux. Vraiment. Voilà. Alors, Hilaire Ragoyon, en face de ce récit, quelle est votre réaction ? Oui. Vous qui n'avez pas vécu. On va dire que c'est le premier moment de l'indépendance du Bénin en matière d'école. J'ai suivi le récit de mon aîné, le professeur Sagbo. Et ce que je voudrais ajouter à sa suite, c'est que l'école, c'est un système qui a été mis en place par le colon. Avant ça, il y avait l'éducation en Afrique, mais ce n'était pas... Et de la forme installée comme nous avons l'école aujourd'hui avec un système éducatif comme ce que nous vivons là. C'était l'éducation. Et cette éducation, c'était une éducation traditionnelle par les aînés, les chefs de famille, dans les couvents, à l'église, à la maison, dans les religions, dans les abats palabres, au cours des récits les nuits, au cours des amusements avec les enfants, on leur passait un message important et ça faisait les bribes de leurs connaissances. Et c'était comme ça l'éducation traditionnelle africaine. Et on était là quand on a connu la colonisation, l'arrivée du colon. Et le colon étant là, le colon a voulu installer un système. C'est-à-dire, il n'avait pas tous les éléments qu'il lui fallait. Il fallait former des gens à son image. Et c'est là, ils ont installé alors le système de l'école. On a commencé par recruter des gens et les enfants commençaient par aller à l'école. Il y avait plusieurs grandes périodes alors qui ont donc marqué le système éducatif depuis cette période-là jusqu'à nos jours. Si je dois remonter à l'histoire, la première période que je voudrais qu'on aborde, c'est la période dite coloniale. C'est-à-dire avec les colons, quel a été le système colonial. Parce que eux autres, ils étaient venus pour exploiter les ressources. C'est l'exploitation économique qui était l'élément fondamental. Et ils ont ajouté ensuite l'évangélisation, ils ont ajouté ensuite... les autres mobiles. Sinon, la raison fondamentale pour eux, c'était l'exploitation économique des colonies. Maintenant, l'école est venue. Donc, l'école, pendant cette période-là, c'était calqué sur leur modèle. Sur leur modèle, sur leur visée. Puisque eux autres, ils voudraient exploiter les colonies. Exploiter à fond les colonies. Et peut-être perpétuer leur système. Perpétuer leur système. Donc,
C'était la première forme du système éducatif que nous avons au Dahomey. C'était le Dahomey, on n'avait pas le nom Bénin en ce temps-là. Après cette phase, on a eu notre indépendance le 1er août 1960. Et ça fera pratiquement 64 ans. À partir de quelques minutes, là, ça fera 64 ans. Et à partir de ce moment, jusqu'en 1972, en principe, on a été indépendant et normalement devrait sortir de ce système colonial-là pour aller dans un système en réalité endogène, c'est-à-dire... On est un peu dans ce que c'était, l'éducation africaine, on va dire, traditionnelle. Et peut-être améliorer ça. Mais est-ce qu'on avait les moyens de retourner à ce passé-là? En ce temps-là. Une fois que le développement a frappé à notre porte. Parce que en ce temps-là. On a quand même fait l'expérience avec ce qui se faisait et on a trouvé quand même qu'il y avait une évolution. C'est pour cela que, bon, on a dû perpétuer le système importé. Oui, on a dû perpétuer. Puis s'il y avait des raisons, politiques, qui étaient là, et on ne pouvait pas se détacher comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à se détacher pour aller faire ce que nous voulons. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vraiment, on peut s'en détacher? C'est un peu difficile. On ne peut pas. On ne pouvait visiblement, pas. Visiblement, on ne peut pas. Les chefs d'État, ils ne pouvaient pas, puisqu'il y avait des contrats qui les lient. Il y avait des accords. Il y avait des financements. Etc. Qui faisaient qu'on a continué comme ça dans le système encore jusqu'en 1972. Ils ont tenté quelque chose. Mais c'était du simple réaménagement, mais ça n'a pas pris. Nous sommes de 112 à 89. Oui. L'école nouvelle. On a eu la période révolutionnaire. La période révolutionnaire. Oui. Le massif-léninisme a été l'option, l'idéologie voilà. Qu'on a choisie pour diriger notre pays. En ce temps, on ne pouvait pas, les pressions extérieures étaient là. Ils n'ont pas pu. On a tenté de créer une école nouvelle, bon, avec beaucoup d'enthousiasme, où il y avait les activités culturelles, les mercredis, des gens qui s'initiaient aux affaires culturelles. Et c'est ça qui a permis à certains hommes, des artistes d'émerger au niveau du théâtre, etc. La musique. Ça fait un peu tache d'huile. Mais l'objectif fondamental, c'est rester là toujours. C'est toujours teinté par la colonisation. Bon, et le régime est parti, un autre régime est venu sous l'impulsion de la conférence nationale. Nous sommes en février 90. On a inauguré l'ère démocratique. L'ère démocratique en 90. Mais avant d'en arriver là, oui. Monsieur Hilaire Agoyon, est-ce qu'on ne peut quand même pas s'appesantir maintenant sur cette période révolutionnaire où quand même il y a eu des bonnes choses. Absolument. Moi, je me souviens, nous, on était, au collège fraîchement. On pouvait, tous les vendredis soirs, aller aux activités coopératives et culturelles. Et vous l'avez dit tantôt, ça a fait émerger quand même des talents. Dans tous les compartiments, on va dire, des gens qui ont émergé, que ce soit des artistes, que ce soit des scientifiques et autres. Professeur Toussaint Sagbofanou, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait tirer quand même de cette période? Merci pour la pertinence de cette question et je remercie aussi mon frère pour ce qu'il a dit. Moi, je n'oublierai jamais, 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 au grand jamais, la période révolutionnaire. C'est vrai, je n'ai pas commencé l'école au Bénin. La révolution du 26 octobre a commencé le 26 octobre 1972. Moi, je suis descendu au Bénin le 21 octobre 1971, juste un an avant la révolution. Et quand j'ai commencé l'école ici et que j'ai vu comment ça se passait et que la révolution est arrivée avec l'école nouvelle, surtout les activités culturelles, la responsabilisation des parents, de tous les acteurs de la société par rapport à la vie de l'école, le recours à la tradition, à la vie culturelle, le clin d'œil qu'on fait au village, où il y a un enthousiasme terrible, je vous assure, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'auraient jamais évolué ou obtenu quelque chose s'il n'y avait pas eu cette école nouvelle.
Et cette école nouvelle, on a compris, quand je dis on, c'est les gens de là-bas. Parce qu'on a toujours la mère patrie qui n'est pas prête de nous lâcher. C'est tout notre malheur de 1960, avant 1960, jusqu'en 1960, jusqu'à aujourd'hui. Notre malheur est d'être dans les griffes de quelqu'un qui ne peut pas vivre sans nous. Il ne peut vivre que de nos richesses. Et cela fait que dès que vous voulez tourner à droite et qu'il sent qu'à droite, vous risquez de lui échapper, il vous rabat un peu vers la gauche. Sinon, l'école nouvelle est magnifique. Je vous assure, ceux qui ont eu cette idée ont eu une idée géniale. Mais on a compris qu'à cette allure, il risque d'échapper à la mère patrie. On a tout fait de démontrer que l'école nouvelle avait toutes ses ramifications, que c'était la diablerie la plus totale et qu'il fallait vraiment s'en sortir. Mais qu'est-ce que ces gens-là mettaient en cause? Qu'est-ce qu'ils disaient? Quelles étaient les critiques, de l'école nouvelle? Pour eux, il n'est pas question que vous arriviez à l'école, que vous fassiez les arts, les arts plastiques, que vous développiez des compétences données. Moi, je me rappelle à l'école. À côté de l'éducation à normale. À côté de l'éducation normale. Il n'est pas question que vous alliez dans ce domaine parce que vous risquez d'être totalement libre. Totalement. Mais vous prenez le cas aujourd'hui de Angélique Kidjo et de Feu Stanton. Mais l'école nouvelle en a été pour beaucoup dans leur vie. Mais est-ce qu'ils ont échoué? Ils n'ont pas échoué. Les sphinx du CEG de Bégamin. Est-ce qu'ils ont eu besoin du doctorat avant de se retrouver dans la vie pour évoluer? Non. L'art, ils y ont cru. Parce que quand un enfant a 8 et que l'autre a 19 et que vous dites, voyez, moi, ce salaud-là, tu as 8. Non, vous n'avez rien compris. Celui qui a 8 n'est peut-être pas fort dans le domaine où l'autre a eu 19. Mais ici, si vous prenez celui qui a 8 et que vous lui donnez peut-être le clairon ou bien la guitare, amenez celui qui a 19 pour voir s'il pourra l'égaler. Ou le donc, pinceau. Chaque enfant, voilà, chaque enfant a son domaine de définition. Et c'est pour cela qu'à l'école, l'école nouvelle nous a montré que si mon frère Hilaire est très fort et qu'on voit en lui un futur médecin pour notre famille, et que tout le monde se dit, ah, il faut qu'on le pousse. Hein. C'est très bien, lui, il a des aptitudes pour devenir docteur en médecine. Oh. Mais moi, j'ai des aptitudes pour devenir vedette ou bien joueur de football. Aujourd'hui même, ils sont plus riches que les présidents de la République, les joueurs de football. Mais dans le temps, nos parents nous disaient, on ne t'a pas envoyé à l'école pour aller jouer. Hein. Allez, va à l'école, il faut étudier. Dans le profil, dans le schéma du colon, vous avez toujours la tête baissée pour apprendre que Napoléon tant a fait telle guerre. Pendant ce temps, vous ne savez même pas si dans votre village, il y a un roi. On vous détourne de vos réalités pour que vous soyez, que vous ayez le cerveau totalement lavé au point où vous détestez ce qui est de chez vous. Vous détestez ce qui vous appartient. Alors qu'en Asie, par exemple, je prends un exemple au hasard. Si les gens ont évolué au Japon et en Chine et ailleurs, c'est parce qu'ils ont le regard beaucoup plus tourné vers leur entre griffes, moi-même là, plutôt que d'être regard tourné vers l'envahisseur ou le colon. Donc, moi je crois, l'école nouvelle nous avait apporté beaucoup de choses. Il y avait cette familiarité. Quand on parlait de camarades, il y a des gens qui estiment que ce n'est pas correct, il faut que mon fils m'appelle papa. Bon, d'accord, ça c'est un autre volet. Mais l'école nouvelle a permis à tout le monde de démystifier l'école du colon, qui était l'école des technocrates, l'école des hommes, je ne sais pas. Et c'est ça que les gens n'ont pas voulu. Et le drame dans cette affaire, c'est que parmi nous, dans notre sein africain, béninois aussi, il y a des gens qui soutenaient ce que disait le colon, à savoir qu'il faut, non, il faut, c'est quoi, quelle révolution? Non, c'est pas sérieux cette affaire-là, il faut mettre au nu. Il faut l'assimilation parfaite. Justement. Ouais, ressembler au blanc, à tout point de vue. À tout point de vue, il faut ressembler. Même pour parler, quand vous dites, bon, j'étais allé à la maison et puis je n'ai vu personne. On se dit, mais lui, il parle quel français? Il devait dire, ben, j'étais allé à la maison, ben, j'ai vu personne, alors je suis retourné chez moi. Quand vous parlez comme ça, oh, vite, c'est oui, ma mère. Mon enfant est très fort. Il vous présente le blanc. C'est dire le français que tout le monde. Mais durant le jour, j'étais allé à Fongwedo. Notre cerveau était foutu. Bon, quand je dis était. Je ne sais pas si aujourd'hui il est... Ça a changé. Si ça a beaucoup changé. On en parle dans un instant. Il est Ragoyan. On poursuit donc. Oui, on poursuit. Ordre chronologique. Donc, après, oui, l'école nouvelle. Après l'école nouvelle. Il y a l'ère démocratique. Il y a l'ère du renouveau démocratique. Et parce qu'il y avait plein de problèmes de chômage qui étaient venus s'accumuler.
parce que le système produisait des chômeurs. Et la qualité des enseignants laissait déjà désirer. Donc, on est revenu, on a dit non, il faut qu'on s'asseye un peu et qu'on arrive à mieux voir. C'est là où les gens étaient allés aux états généraux de l'éducation. Et on est allé maintenant à ce qu'on appelle les programmes par objectif. Compétences. Et par ensuite APC, approche par compétences. Les fameux nouveaux programmes. Oui. Donc, c'est l'approche par compétences que nous sommes en train d'exécuter jusqu'à nos jours, là, maintenant, dans nos classes, en République du Bénin, ici. Et qu'est-ce que c'est que l'approche par compétences? C'est qu'on met l'enfant au cœur de l'apprentissage. Absolument. Et désormais, ce n'est plus les récitations de cours. Il va chercher. Il amène avec le coordonnateur, c'est-à-dire l'enseignant qui régule désormais la matière, et il les encadre et ils amènent, ils produisent leur production eux-mêmes et l'enseignant encadre. Et c'est comme ça qu'on essaie de faire pour que désormais on cesse un peu avec la méthode qui consiste à apprendre par cœur. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Mais malgré ça, de retenir. Malgré ça, cette approche aussi, de piger, a ses faiblesses. C'est chronique. Oui, cette approche aussi a ses faiblesses. Ah oui. Oui, mais ça forme. Hein. Ce n'est pas que c'est mauvais en soi. Surtout quand vous vous bloquez sur un point, c'est fini. Hein. Oui. L'autre méthode, c'est-à-dire la récitation. Oui. Si tu oublies une virgule. Une virgule, t'es bloqué. Il y a problème. Donc, tu peux plus bouger. C'était un système colonial qui montrait qu'on n'était rien et on te faisait apprendre par cœur. C'est ça. Mais... Oui, mais sur ce programme, les nouveaux programmes NPE, comme on le dit, les nouveaux programmes d'études. APC, là. APC, approche par compétences. Mais nous, on disait. Oui, on disait aussi les nouveaux programmes d'études. Oui. Donc, est-ce que vraiment ça a servi quand même à quelque chose? Regardons-nous en face. Les parents ne pouvaient plus aider leurs enfants à faire leurs exercices. Ça a été crié, ça a été décrié. On a fait beaucoup d'émissions là-dessus. Oui, le programme par compétences, c'est-à-dire son intérêt, c'est de rendre l'apprenant, puisqu'on conçoit les programmes à cause d'un objectif donné. Il y a un objectif donné. Qui est visé. On veut qu'à la fin, on ait un apprenant qui puisse se prendre en charge, puisqu'il n'y a plus, l'État ne peut plus prendre en charge tout le monde. Absolument. Est-ce que nous sommes d'accord? L'État ne pouvant plus prendre en charge tout le monde, avec l'APC, l'apprenant peut se prendre en charge. C'est-à-dire, il peut aller, et le truc est ouvert, et ça lui permet d'avoir des connaissances, et à la fin, ça forme quelqu'un qui peut se prendre en charge à la fin. Puisque, en réalité, c'est l'objectif qu'on vise. Donc, on a visé comme objectif d'exclure les parents de l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est toute chose son avantage. Moi, je salue mon feu père, ma feu mère ici sur ce plateau, parce que c'est des gens qui, une fois à la maison, m'aidaient même à coups de bâton pour bien comprendre et faire les exercices. Oui, aujourd'hui. Mais à partir de cet instant, moi, je n'ai pas pu le faire pour mes enfants. Oui, le parent aujourd'hui, c'est difficile. J'étais obligé chaque fois de recourir au maître d'études. C'est difficile. Vraiment. C'est vraiment difficile. Même les grandes personnes, aujourd'hui, quand tu corriges et tu mets C1, C2, C3, C4, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Oh, c'est tellement bien clair ce que c'est que le C1, le C2, le C3. C'est quoi pendant qu'on y est? Le C1, c'est-à-dire que. Avec le CE, tout ce qu'on demande à l'apprenant, là, est-ce que, par exemple, si nous prenons la dissertation, est-ce qu'il a fait un exercice qui répond à ce que nous attendons? Est-ce qu'il y a une introduction? Est-ce qu'il y a un corps du devoir? Est-ce qu'il y a une conclusion? Le CE2, ce qu'on attend de lui, les éléments d'information, est-ce qu'il a pu mettre dedans? C'est-à-dire que les réponses exactes, là, avec la technique, les mots de la discipline. Est-ce qu'il a pu répondre? Qu'est-ce que c'est que la colonisation, par exemple? Si tu lui poses cette question, en C2, tu dois t'attendre à ce qu'il dise que la colonisation,
c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. C'est les Blancs qui sont s'il n'a pas ça, chez nous. S'il n'a pas ça, tu ne peux pas lui attribuer le point. Et dans le C3, ça, c'est l'introduction. Est-ce qu'il a réussi l'introduction? Est-ce qu'il a fait les transitions? Est-ce qu'il a fait la conclusion? S'il n'a pas les trois éléments-là, il n'aura pas les points affectés au C3. Et le C4, c'est ceux qui peuvent réunir les éléments de critères de performance. Est-ce qu'il a pu dépasser la connaissance, la maîtrise maximale? Est-ce qu'il comprend le truc? S'il a pu avoir 6 sur 9, là, ça veut dire qu'il peut bénéficier maintenant des éléments, des points qui sont dans C4. Mmh. Mais quand tu dresses ça, les gens se perdent. Mmh. Mais je me rappelle, on était allé pour la délibération du bac la fois passée seulement là. Hein. Cette année 2024. Cette année 2024, mais avec des gens. Mais il y en a qui ne savaient pas ce que ça, c'était que le C1, super. Le C2, le C3 et le C4. Merci. Et on m'a, j'ai dit, mais les réponses, les éléments là ne s'affichent pas sur la copie. Très bien. Mais c'est parce que l'apprenant réussit à nous donner les informations que maintenant, moi, je sais qu'il peut avoir le C1. Absolument. Mais ça ne s'affiche pas. Ici, tu ne peux pas voir. Donc, on constate que même les enseignants qui sont chargés de dispenser... Oui, les peut-être les enseignants du supérieur... N'ont pas maîtrisé grand-chose. Ce n'est pas les enseignants du secondaire. Ceux-là, ils ont été formés pour ça. Mais pour la délibération, ceux qui étaient nos présidents de jury, okay. C'est les gens pour le bac, c'est les gens du supérieur. Et eux, ceux-là n'ont pas eu cette formation pour l'APC du secondaire. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Ça a son avantage. Mais ça a ses inconvénients. Alors, si on essaye de faire le point, ouais. Tous ces sabofanons, est-ce qu'on peut dire que l'approche par compétence a quand même relevé le niveau de l'éducation au Bénin? En termes clairs, est-ce qu'il a vraiment fait du bien à l'élève? Il a manqué quelque chose à l'APC, l'approche par compétence. C'est une approche que moi j'aspire, j'admire. Mmh. Parce que quand je vois mon enfant qui est déjà à 4 ans, qui doit commencer la maternelle peut-être à 4 ans ou 5 ans, mais qui est tout le temps dans les appareils qui sont foutus, là, les postes radio, tout ça, je me dis, mais cet enfant-là, il a un penchant très poussé pour la technique. Lorsqu'on parle de APC, je me dis, cet enfant-là, il deviendra certainement technicien, informaticien ou bien réparateur, je ne sais pas quoi. Mais il fait l'approche par compétence sur... Il ne fait que la théorie. Il n'y a rien pour faire l'application. Quand vous prenez des enfants du primaire ou bien du secondaire au Japon ou bien en Corée du Sud, ils font l'approche par compétence. Comme on le dit là, ils le font effectivement, mais à la différence que chez eux, on applique en même temps ce qu'on lit, ce qu'on écrit, ce que tu m'apprends, je l'applique, je sors un résultat. Et parfois, ce résultat nous parvient ici sous forme de portable à bon marché, ainsi de suite. Donc, l'approche par compétence en elle-même n'est pas mauvaise. Mais il y a des outils qui manquent. Quand on dit approche par compétence, moi, je vois des enfants qui apprennent du professeur et qui vont l'appliquer. Qui apprennent comment, quand on mélange 1 kg de ciment avec 2 kg de sable, ça doit donner telle chose avec telle résistance. Mmh. Mais où est-ce qu'ils vont appliquer ça? Où est-ce qu'ils connaissent ça? Donc, ils vont dire, bon, quand on mélange, etc. Ils vont seulement parler, ils vont faire de la théorie. Mmh. Nous sommes encore à un stade, aujourd'hui non, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Mais il fut une époque où l'approche par compétence était exactement comme quelqu'un qui rentre dans le désert du Sahara et qui dit, vous êtes là, je suis venu, je voudrais que vous puissiez me dire ceci, ceci. En fin de compte, il entend son écho, il ne voit personne, il ne comprend rien. Il a envie de retourner d'où il vient. Il n'a aucun retour. Il n'a aucun retour. C'est en cela que l'approche par compétence a péché. Je ne dis pas ceux qui l'ont prôné. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires sur l'approche par compétence, ah ben oui. Avec cette histoire de Porto Novo où les gens se sont taillés la part du lion, parce que notre mentalité de voleur aussi détruit beaucoup de choses. Mais je dis, l'approche par compétence, par exemple, aujourd'hui, ce qui se fait, on aurait pu s'en sortir, parce qu'il y a eu un développement terrible des technologies nouvelles. Les nouvelles technologies de l'information devraient nous permettre à nous, élèves, nous, apprenants, devait nous permettre d'aller très loin dans l'approche par compétence. Quand je vais dans ce cyber, c'est pour faire des recherches. Quand papa m'achète un Android, c'est pour faire des recherches. Mais très vite,
ça s'est tout retourné contre tout le monde. La recherche en informatique. Ce sont les dérives, en fait. Mais c'est les dérives, justement, de la technologie où les enfants préfèrent passer. Si on lui dit, tu as 4 heures pour consulter, pour faire les recherches dans ton Android, et puis tu me remets ça, il va prendre 3 heures et demie pour fouiller. Pour aller sur les réseaux sociaux. Pour aller sur les réseaux sociaux, voir un peu ce qui se dit par rapport, excusez-moi le terme, hein, par rapport au sexe, par rapport à des futilités qui ne l'avancent en rien. Et comme il devait forcément rendre compte, alors il fait quelque chose en 30 minutes, il rend le portable lorsque c'est à rendre. Mais lorsque c'est à lui-même, allez le voir la nuit. Bon, bref, cela nous a créé des ennuis. L'approche par compétence aujourd'hui, je me dis, ça va continuer de s'appliquer. On ne peut même pas faire autrement, ce n'est pas sûr. Parce que l'autre approche, c'était tout le temps, c'est du pidgin, comme vous dites là. Il faut tout piger. En 1941, la révolution a eu lieu, mais et puis... Tel un automate. Voilà. Mais aujourd'hui, où on nous parle d'école technique, d'école d'enseignement technique, je me dis, voilà une chance qui s'offre à l'APC. Une chance où des enfants qui ont appris que lorsqu'on touche le fil X et qu'on met le fil Y à côté, il y a électrocution, ils auront le temps de faire la preuve. Mais quand on vous dit le courant, il y a tel volt ici, ceci, ceci, et vous écrivez, on vous dit cherchez 100 ans, vous faites tout ça là sur papier, vous arrivez quelque part, on dit ah, jeune homme, comment on va faire pour réparer un peu, les fils là se sont cassés, hein. On va faire appel à un électricien parce que vous qui êtes en terminale ou vous qui êtes en première, vous n'avez appris que la théorie, mais vous n'avez jamais que récité la théorie. Voilà. Yeah. Donc c'est ça, et c'est pour cela que moi je dis j'ai un brin d'espoir. Depuis qu'on a commencé à parler de école d'enseignement technique, depuis que les nouvelles technologies de l'information sont arrivées, je dis formons nos enfants pour qu'ils fassent des recherches qui vont les nourrir plutôt que d'aller chercher des choses qui vont les avilir pour toujours. Donc alors, l'approche par compétences. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'ai une question très rapidement pour vous deux. Ouais. Est-ce que le gouvernement n'est alors pas, comment dirais-je, n'est pas cohérent avec l'approche par compétences quand il décide, par exemple, de multiplier les lycées techniques dans le pays pour pouvoir obtenir beaucoup plus d'individus capables d'entreprendre quelque chose et non rester juste dans les cours enseignement long, comme on le dit souvent. C'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait plusieurs lycées techniques. Nous sommes à l'ère où on ne doit plus former des gens comme nous, là, et littérature, où on parle de Rabelais, ou littérature, on parle... Non, c'est dépassé, on n'a plus besoin de nous raconter l'histoire de Rabelais. Je n'ai pas besoin de lui raconter ça, ça ne va rien lui rapporter. Il n'a plus besoin de me dire que le montant là a tel mètre de hauteur, mais les collines de chez moi ont quel mètre de hauteur. C'est ça, justement. Donc, les lycées techniques qu'on va ouvrir et où on va trouver des enseignants, parce que ça, c'est encore un autre volet. Tout à l'heure, mon frère parlait des enseignants du supérieur qui ne sont pas très outillés dans ce domaine. C'est normal, ils n'étaient pas là par rapport à cette approche. Mais quand on sait qu'ils vont venir pour gérer les copies, gérer les travaux de tout cela, il y a un brin de formation qu'on devait mettre à leur disposition. Mais même les enseignants du secondaire, qui sont supposés être les masters, les maîtres dans ce domaine, mais il y en a beaucoup qui ne s'y connaissent pas. Beaucoup. Et c'est là que je dis, vous mettez un policier dans la rue, vous savez qu'il y aura des gens qui ne pourront marcher qu'avec le bâton dans le dos, et vous leur dites, non, tu n'auras pas de bâton, tu n'auras pas de sifflet, mais ils seront là à faire quoi ? Il faut un minimum de connaissances. Il faut leur donner ces éléments-là pour qu'ils puissent effectivement accompagner les enfants et qu'ils sachent justement évaluer. C'est capital. Il y a des professeurs, quand ils vous parlent de l'APC, vous avez l'impression que c'est eux qui ont inventé ça. Ils s'y connaissent à 100%. Et dans l'application ? J'en ai un chez moi. Non, encore là, dans l'application, très bien. Mais il y en a qui font leur cours. Il prie tous les dieux pour que aucune question ne vienne par rapport à ci ou ça qui est dans le domaine de l'APC. Non, mais il est ragoyant très rapidement. Oui, en réalité, c'est que il y a eu trop de dosage de théorie dans tout ce qu'on a fait jusqu'à ici. Et ça a arrangé le colonisateur. Absolument. Parce qu'en réalité, on ne faisait que patiner sur place. On ne progressait pas. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de moyens ? Parce que qui dit pratique
10 moyens. Il faut qu'on pourra acheter tout ce qu'il faut. Le matériel, ou l'installer, et tout ça, c'est fait de l'argent. Oui, est-ce mais... que ce n'est pas pour éviter ça qu'on a préféré faire le dosage? Oui, il y a l'élément là qui vient se greffer aux réalités. Mais chaque fois quand on évoque les questions de moyens, il y a certaines sources qui n'acceptent pas qu'on dise que chaque fois c'est des moyens. Mais on aurait pu commencer à faire un peu depuis, non? Exactement. On aurait pu commencer à faire un peu depuis. Si on avait vu qu'on allait laisser cette dose de théorie-là. Mais vous faites un pas dans la technique et l'année prochaine, un autre pas. Doucement, doucement, on arrivera. Je crois que le régime de la rupture, sans fausse modestie, ont compris cela. Et c'est à ceux-là qu'ils sont en train de s'atteler. Puisque déjà, par rapport aux activités culturelles, ils ont initié dans les collèges... Il y a des classes culturelles. Les classes culturelles désormais. Oui, donc, ils ont pris ce que l'école nouvelle avait fait. Très bien. Moi, j'ai salué ça. Et déjà, dans les collèges pilotes, on vit déjà les classes culturelles, etc. Et des enseignants ont été recrutés à cet effet. Donc, je pense que progressivement, on arrivera vers ce qui est bon pour notre pays. Mais c'est le colon qui est en train de... Qui continue d'être nous tirer. Notre malheur. Franchement. Mais quand tu le dis, on n'est pas d'accord, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est une réalité. Merci beaucoup, chers invités. On va faire un tour à la régie pour suivre ce reportage qui donc permettait au directeur de l'Office du baccalauréat de rendre public les performances qu'il y a eu cette année 2024 au baccalauréat. Au cours de ce point de presse, le directeur général de l'Office du baccalauréat a d'abord remercié le gouvernement, les enseignants, les apprenants, les parents d'élèves et surtout les acteurs impliqués dans l'organisation du baccalauréat 2024. D'abord, je voudrais remercier le gouvernement et surtout son chef, le président de la République, pour les réformes dans le système éducatif qui portent des fruits chaque jour et dont nous sommes tous fiers. Les cours sont bien dispensés et les élèves, les candidats, nous émerveillent d'année en année. Remerciements également aux enseignants. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour former la relève du pays. Remerciements aux parents d'élèves et d'étudiants. Ils s'investissent de plus en plus pour donner au pays des talents recherchés partout. Remerciements également à tous les acteurs impliqués dans le processus d'organisation et du déroulement de l'examen session 2024. Alphonse Da Silva va ensuite dévoiler les performances des apprenants à cet examen du baccalauréat 2024. Sur les 42 181 admis pour cette session, 502 ont eu la mention « très bien » contre 371 en 2023. Donc, il y a une progression. Cette année également, tout le pays est honoré de la moyenne du premier à l'examen du bac. C'est une moyenne exceptionnelle. C'est le record au baccalauréat béninois. Il s'agit de Kassa Kwasi Epiphane. Il est suivi de Servo Godwin Osvaldo, espoir de la série C du Collège catholique de Lokosa, avec une moyenne de 18,63 sur 20. Puis de Amouzou Eleono Pierre Asseye, de la série D du Prétané militaire de Benbereke, avec une moyenne de 18,36 sur 20. Tout ceci est le résultat des réformes du système éducatif. C'est à l'actif du président de la République et de ses ministres, selon Alphonse Da Silva. Alors, merci beaucoup à Arthur Wendo pour ce reportage. Chers invités, cet élément pour introduire la partie qui concerne, on va dire,
le relèvement du niveau de l'éducation au Bénin. Voilà une preuve. On peut aujourd'hui commencer à s'autoriser, à respirer, finalement, en disant, bon, vraiment, nous sommes sur le droit chemin au Bénin en matière d'éducation. C'est vrai qu'on peut le dire, parce que un résultat enjolivé avec un peu de crème tout autour n'est pas aussi intéressant qu'un résultat sincère, franc. Quand vous avez 10 enfants qui ont chacun 14, 15, 16 et qui ont effectivement travaillé pour avoir ça, c'est différent d'avoir 25, 30 enfants où vous avez essayé d'arranger les 8 et les 9 pour qu'ils soient les à la hauteur. Voilà. Donc là, je dis, les réformes ont commencé à porter leurs fruits. Évidemment, quand on commence une réforme et qu'on commence à crier, non, c'est parce qu'on n'a pas compris. La réforme, il faut attendre que cela commence à donner les fruits pour comprendre. La réforme donne ses fruits. Et puis, 502 mentions, très bien, par rapport à l'année passée. C'est important. 330 et quelques. Oui, ce 300 et quelques, ça veut dire que avec ces réformes, avec les gens qui ont moins de problèmes parce que leur petit frère va là-bas à la cantine, il mange, on ne fait pas le lien avec tout ça là. Quand vous avez moins de problèmes, vous travaillez plus. Quand vous n'avez pas la charge de votre petit frère, vous travaillez plus. Quand papa et maman s'occupent mieux de vous, vous travaillez plus parce que le petit qui est au primaire là-bas, il a la cantine, ça fait moins de problèmes. Donc, 502 mentions, très bien pour moi, par rapport à 300 et quelques l'année passée, je dis, il y a eu un travail que les professeurs ont fait. Il y a eu un travail que les réformes, auxquelles les réformes ont contribué, et il importe que toute la nation, parce que c'est là notre problème. Vous, vous êtes président de la République. Il est le ministre chargé de l'éducation, tout ça là. Moi, je suis citoyen. J'estime que vous devez faire le travail. C'est vous qui faites le travail. Mais c'est une erreur, une abomination. Je suis concerné. Je n'ai pas besoin d'être ministre avant de comprendre que j'ai un rôle à jouer. Mon rôle est à la maison. Je le joue très bien et les répercussions vont se retrouver à votre niveau. Vous en serez félicité. Vous, monsieur le président, vous en serez félicité. Et le parent que je suis, j'en serai tout à fait heureux. Et par ricochet, c'est toute la nation qui va récolter des cadres de qualité. Donc les réformes, il faut les poursuivre. Il faut continuer, il faut penser aux infrastructures, il faut faire en sorte que le patron aujourd'hui, qui devient notre plus grand esclavagiste des temps modernes, ne continue pas d'avaler nos enfants. Il s'agit des portables Android. Ça, c'est capital. C'est très important. Il faudrait même que la nation entière s'asseye pour dire, chers amis, chers parents, trouvons une solution à ce colonisateur. On parlait d'un colon. Lui, il a la tête d'un homme, il est en chair et en os, on le connaît. Mais il y a un autre colon aujourd'hui qui est plus insidieux, plus grave. Il a inventé un autre colon pour se substituer à l'autre. C'est grave ce qui se fait avec le portable. Vraiment. Sans le portable, ou plutôt avec le portable de recherche, on aurait plus de résultats qu'on en a maintenant. Je suis convaincu. Il y a des pays où, dans lesquels l'utilisation du portable à l'école est proscrite. Totalement interdit. Même chez nous aussi, c'est exemple, proscrit. Exemple, la Chine, oui, le Japon. C'est proscrit ici aussi. C'est proscrit. Mais les gens... Mais ce n'est pas toujours suivi. Oui, ce n'est pas suivi. Donc, le problème, c'est l'application. Oui, ce n'est pas suivi. Et à la suite du doyen, je pourrais dire que les réformes ont porté et on a encouragé plus les sciences ces derniers moments. Oui. C'est-à-dire que les mathématiques doivent être suffisamment encouragées au détriment un peu de la littérature. On a besoin de la science pour le développement. Régler nos problèmes. Nos problèmes. Mais un professeur de physique qui ne peut pas installer une ampoule, qui ne sait pas où on met les générateurs dans une... C'est quand même un problème. Mais c'est quand même un problème. Donc, moi, je suis content de ce qui s'est passé là et que les scientifiques encouragent beaucoup les apprenants dans leurs disciplines respectives. Je ne veux pas dire qu'on met dans les poubelles les matières littéraires, mais depuis 64 ans, on a trop fait de littérature. Maintenant, il faut qu'on prenne le reste du temps, on inverse pour s'occuper de la science comme ça aussi. Parce qu'il y a eu trop de littérature. Maintenant, il faut comprendre le verbiage. Oui, tout le temps, c'est de la théorie. Il y a un autre problème quand même sur lequel j'aimerais bien attirer votre attention. Oui. C'est le coût désormais très, très onéreux de l'accès à l'éducation au Bénin. Le coût, aujourd'hui, si vous devez aller à l'école,
Vous avez le public, vous avez le privé. Mais le privé tend à prendre le pas sur le public. Et les coûts là-bas sont, oh là là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour résorber eh bien, cette concurrence, on va dire, déloyale? Parce que nous avons quand même les pouvoirs publics. Oui. C'est l'État qui organise les examens au plan national. Oui. Mais pourquoi l'État coupe les chines sur ce plan-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait? Ce que vous dites là, en 2015, j'ai fait un document pour un journal de la place où on pourrait dire c'est vrai, c'est alarmant. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Hein. Beaucoup de parents ont commencé à enlever leurs enfants du privé pour le public. Parce que dans ce public-là, les travaux se font mieux qu'avant. Les enseignants sont disponibles, les enfants suivent bien les cours. Parce que dans le public, il y avait trop de grèves. Il y avait des enseignants qui démissionnaient. Ils vont faire 3 heures chez toi dans le privé au détriment du public. Ils viennent ici, ils font rapidement sur les 2 heures, ils font une heure. Parce que la rigueur n'est pas. Mais exactement. Aujourd'hui, les choses ont commencé à changer. Non seulement la rigueur existe au public, le suivi existe dans le public, mais encore, qu'est-ce que je voulais dire La qualité de l'enseignement. Il y a la qualité, il y a tout ça là. Mais le coût des études dans le public baisse de jour en jour. Je me rappelle qu'on a dit désormais les filles ne payeront plus rien. C'était au départ 6e, 6e, 5e, après 4e, 3e. Mais aujourd'hui, il me semble que pour tout le premier cycle, même le second cycle, ça commence déjà. Oui. Ça commence déjà parce que ça fait des dépenses énormes pour l'État qui va prendre cela en charge. Donc moi, je suis sûr, les établissements publics, et pardon, privés, où il faut avoir vraiment de l'or pour pouvoir inscrire son enfant, sont en perte de vitesse. Il y a quelques rares qui subsistent, et cela grâce à leurs résultats. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a des conditions qui sont faites pour que vous ameniez votre enfant chez moi dans le privé, sinon je risque de perdre mon effectif. Et je préfère ajouter deux éléments qui prouvent le sérieux du public aujourd'hui. Les grèves, c'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, vous avez les 9 mois de façon ferme. Ça, c'est le premier acquis. Deuxième acquis, les programmes sont terminés le 8e mois. C'est-à-dire qu'il y a un mois là pour faire les renforcements. Oui. D'accord. Mais tous les programmes, les CP arrivent, les inspecteurs, et puis tout est fini, on vous suit. Ce n'est plus ce qui se passait dans un passé très proche là. Et puis il y a cette tension là aussi où... Ce n'est pas possible. Quand vous êtes directeur, que vous n'enregistrez pas le taux admis, on vous démet. Oui, c'est les réformes qui prennent. Donc, franchement, ça a commencé par changer. Et comme l'a dit le doyen Sabo, beaucoup ont compris et ils envoient directement leurs enfants dans les publics aujourd'hui. D'accord. Et ça marche normalement. D'accord. Ça marche. Donc, c'est une très bonne note qu'on va quand même retenir. Ah oui, par rapport à ça. D'accord. Oui. Nous aussi, on a eu 19,04. Mais il y a certaines faiblesses. Hein. Ah oui. Il y a certaines faiblesses. Ça manque pas. Malheureusement, le temps... Mais une action humaine a toujours ses faiblesses. A toujours ses faiblesses, là. Oui, ouais. Mais lorsqu'on dit, par exemple, que le châtiment corporel est interdit, merci. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on prend pour accompagner alors le vide? Merci. Si rien n'est fait et le vide persiste, mais c'est grave. Je vous dis thank you. Voilà, c'est très grave. Voilà des élèves qui, en plein cours, utilisent leur portable. Des on leur donne même des ordres. Même d'aller au tableau. Vraiment. On les désigne pour aller. Ils refusent. Ils refusent. Mais qu'est-ce que tu peux lui faire? Parce qu'on a dit qu'on ne peut plus lui faire chose. C'est ça. Mais les 2 heures, on nous dit le règlement intérieur, il faut l'appliquer. Mais ils ne craignent pas. ça ne leur dit rien. Il faut qu'on inquiète l'apprenant et qu'il se mette résolument au travail. Les autres sont déjà au travail, mais lui-même, là, il n'a qu'à savoir que les réformes, ce n'est pas du désordre. Non. Ah non, c'est ça. Si on a fait ça, c'est pour leur droit. Aller. C'est pas du laisser aller. Mais ils n'ont qu'à se responsabiliser aussi. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments que vous sortez en fin d'édition et qui ne tombent pas dans des oreilles de sourds. J'espère que le ministre et ses cadres sont à l'écoute de cette émission, ont dû prendre bonne note pour que l'embellie se poursuive. Absolument. Merci, chers invités, d'avoir été vraiment présents sur ce plateau. J'espère que, chers amis téléspectateurs, vous avez pu, bien sûr, retenir certaines bonnes choses, vous avez pu prendre de bonnes notes. On va se dire vraiment très bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous.
et à l'année prochaine. Merci.